Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Spyro 2 Riptos Rage. Et aujourd'hui nous allons faire la ville de Metropolis qui est un de mes mondes préférés du jeu. J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillou. Et je m'étais spoil un peu sur la musique de ce monde là dans le Ring Night Trilogy. Elle est beaucoup plus posée que dans le Spyro original. C'est pas meilleur, c'est pas moins bon, c'est différent. C'est très relaxant, cela dit. En tout cas, pour dormir, c'est parfait. Mais elle est sympa. J'aimais tellement l'univers décalé de ce portail-là. Oh là là, c'est joli, hein. Cette insurrection des fermes est totalement hors de contrôle. Il faut que quelqu'un restaure l'ordre. Trouve le droïde inventeur. Elle travaille sur un gros projet. Ok. Vous voyez, la musique, elle est un peu plus posée quand même. Maintenant, je vais vous mettre l'autre musique. Vous allez voir. On va dire que sur l'ancienne musique, celle-là, là, il y avait plus de basse, plus de batterie. Mais après, c'est une question de goût, hein. Moi ça me dérange absolument pas. Mais voilà, moi j'aime bien. Ça reste vraiment cool. Ça reste dans la mentalité du niveau, on va dire. Oula. Avec les coupes budgétaires, ces ascenseurs ne sont plus entretenus. Celui-ci est coincé, mais j'ai l'espoir qu'il se remette en marche si tu lui donnes une bonne claque. Eh bien, c'est parti pour un plongeon corne. Oh shit! Je me souvenais plus comment il nous attaquait. Oh, je me suis fait avoir en beauté. Patience est mère de toutes les vertus. Ok, je n'ai rien oublié, non, parce que j'ai remarqué que j'ai souvent tendance à oublier les joyaux dans ce jeu. Oh. Hop. Ah non, ça c'est une fusée. Oh, là il y a le mini-jeu, ok. Je me souviens de ce mini-jeu. Comme tu peux le voir, un méchant bœuf s'est emparé de l'armurerie. Et dire qu'on pensait éloigner les animaux en gelant le passage. Le bœuf est très costaud. Je recommande d'utiliser les bombes contre lui. Et une seule ne suffira sans doute. Oh lolololololololol. Ah, par contre ce mini-jeu est beaucoup plus dur je trouve. Ouais. Un peu ouais. Je pense que je vais couper au montage pour éviter ce carnage parce que... c'était ridicule. Mais il faut que je comprenne le fonctionnement en fait.
Genre si je fais ça. Oh non! Là, je comprends vraiment pas comment je peux faire. Parce que j'ai beau orienter droit, mon souffle l'emmène ailleurs. Ok, alors je suis un gros débile. Je suis un giga gros débile. Je croyais qu'il fallait que ça, qu'on attende que ça explose vers lui en fait. En fait, c'est giga simple. Aïe. Ouais, c'est simple si je fais pas le con. En fait. Voilà. Bon travail, jeune dragon. Maintenant, nous pouvons défendre notre ville. Prends cette récompense esthétique. Alors, je sais plus du tout si c'était comme ça dans le 2. Si c'était le cas, je suis vraiment débile. J'ai perdu au moins 50 de QI, déjà que j'étais pas très très élevé. Oh là, moi, j'avais pas du tout compris comme ça, en fait. Oh là. C'est terrible. Moi je l'avais compris autrement, c'est trop triste. Ouais, j'ai pas eu le temps de cracher du feu une seconde fois. Tout. Ok. Viens, 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 viens. Come on, come on. Est-ce que je peux? Me. Ah oui, c'est vrai que c'est un étage au-dessus. Ok. Ah, ça, je m'en souvenais plus. Ah, Spyro, on m'avait dit que tu venais. Merci de tes efforts pour empêcher ce coup d'état. Prends cette récompense. Les êtres vivants semblent apprécier. C'est une première pour Avalar. Un bonus de combinaison. Heureusement que tu es là pour le tester. Il faut arrêter ces moutons en soucoupe volante. Eh bien, c'est parti. Oh putain, la tête. Oh, des moutons vénères. Hein. Tu sens que ce sont des moutons qui ont envie d'en découdre. Je crois qu'ils nous tirent dessus d'ailleurs. Ah oui, il y a un autre endroit où est-ce qu'il faut que j'utilise le pouvoir. Hop. Excellent travail. Tu as renvoyé ces... Attends, il y a une deuxième phase, c'est trop simple. Je le savais. Les premiers moutons... Et voilà, je me disais bien. Je me disais bien que c'était trop facile. Moi je vais prendre les joyaux tranquillement. Et après je m'occupe de votre cas.
Oh, j'adore tellement les jeux de lumière. Toi, par contre, tu me tentes. Donc, Ah, tu me tentais trop. Toi, tu me tentais trop aussi. Ah, mais si vous volez à contresens aussi... Ah oui, arrêtez. Oh. Je crois que j'ai tout de... Enfin, j'ai tout sur ce niveau-là. Après, faut que j'aille en dessous. Ouais, bon, on va faire ça. Ah, peut-être ici, attendez. Ah, voilà. Putain, mais il m'énerve en plus, lui. Ouais, là, j'étais obligé, là. Joli vol, pilote. Tu as prouvé le génie de mon double bonus. Tiens, prends ceci pour commémorer ta victoire. Ok. Après, est-ce que j'avais fini tout ce qu'il y avait à voir en haut? Ça m'en a tout l'air. Oui. Oh, presque. Oups. Go. Ah bah là j'ai one shot, ça c'est bien. Bon bah j'aime beaucoup ce niveau, il est vraiment cool. Je l'aime toujours autant. En fait je me casse la tête pour remonter. Mais ce serait plus simple de faire comme ça. Bon il est fini à 100%. Ah! Bon bah c'est pas plus grave, c'est pas plus mal. Donc bien à côté ce sera tout pour cet épisode numéro 24 de notre aventure sur Spyro 2 Riptos Rage Reignite Trilogy. Je vous laisse en compagnie de la cinématique de fin comme d'habitude et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, allez salut.